On s'est fait traiter de P'tit, Nathalie André, ex-directrice de la Star Academy, échaudée par un chanteur. À l'occasion de la diffusion de 20 ans de la Star AC, le doc événement, pour le 20e anniversaire de l'émission culte. Nathalie André s'est livrée à quelques confidences sur son expérience en tant que directrice artistique de l'émission. L'occasion de revenir sur l'un de ses pires souvenirs, à cause du chanteur d'un groupe de musique très connu. Nathalie André n'est pas près d'oublier son expérience à la Star Academy. Celle qui fut directrice artistique de l'émission a accepté l'invitation d'Europe 1, au micro de Philippe Vandel, pour revenir sur cette aventure exceptionnelle. Qui rassemblait chaque semaine des millions de téléspectateurs. À l'occasion de la diffusion de 20 ans de la Star AC, le doc événement, ce samedi 22 mai. Nathalie André a évoqué les moments marquants de l'émission, notamment un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Venu sur le célèbre plateau, JK, le chanteur du groupe Jamiroquai, s'est montré particulièrement capricieux avec les équipes de production. Au point d'insulter Nathalie André et sa collaboratrice. Il a failli même mettre une. Avec ma collaboratrice, Julie Greenbaum, on s'est fait traiter de pute. L'artiste britannique avait en effet refusé de partager sa chanson avec l'une des candidats, une tradition dans l'émission. Un refus qui avait eu le don d'agacer Nathalie André, c'est le seul qui n'a pas accepté de partager sa chanson et qui a planté tout le monde en direct, a-t-elle affirmé. Des stars internationales. L'émission culte, qui a révélé Jennifer, Lucie Bernardoni ou encore Mathieu Johan a eu la chance de recevoir d'immenses stars internationales. À l'image de Beyoncé, Rihanna, P. Diddy ou encore Madonna. Cette dernière a d'ailleurs fait s'arracher les cheveux à Nathalie André. Qui se souvient de sa venue comme le jour le plus compliqué de sa carrière professionnelle. Des souvenirs incroyables, qui resteront gravés dans la mémoire de Nathalie André.